Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Eh nu salbu kana burum anosanta na eh, di puja nok nak ujalanya ne mama munu kana fatia munu dua puja japan te kana ujadi fokaere nu bana por kaere nu dua direktur an manjum o oh, emite kanu manku sofordu buku manku ngarlo lawan ngarlo nya nu benana to madame le maire Ee, kane, kujuma imte kane kujumakoli ufaman kuteboe kompona kankuwokenu emterefaman ed nubnanato asuprefa mka pore kalakakola sija kunfa ja e, akraporefompnlsoor ikbkims dibukpore kaŋarloña mekan epore tebon e, e, dikufaman kusoforola e,

Ngu wamenyede eskeisinyambe komburu tu e ni duo kusi ma bruto kantontate e Ka de nofam nokelobanyam eu duwa kumaa kantotate aban fo po kametepoyo e detura fompona foa e abanyi kus mokwabannya kaybanbanke dunia e ni safu amas ala konya o ma asrefa e ni safo am. Madame la Naraf, Monsieur le directeur du centre de formation professionnelle, euh, chers collègues, chers élèves, Monsieur le délégué de quartier de Ela le quartier qui nous accueille. Bonjour. Bon, c'est avec un grand honneur par mes mots que je viens me prononcer par rapport à l'activité qui vient de se dérouler. Euh, le directeur du centre de formation nous a convoqué pour une remise de cadeaux euh, des, des enfants. Une activité qui n'a pas, qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est une activité qui a, de, qui a duré. Nous-mêmes au niveau des préscolaires, les années précédentes, nous avons reçu. Aujourd'hui, il a diversifié en ajoutant des, des écoles de la commune et certes de, de l'arrondissement. Euh, nous lui souhaitons euh, bonne continuation et nous disons que nous sommes très contents de l'activité et demandons, nous leur demandons euh, de dire aux, aux donateurs que nous sommes contents. Euh, et je souhaite que cette activité soit périlisée, euh, que chaque année, qu'on puisse avoir quelque chose pour les enfants euh, qui sont notre devenir de demain. Euh, merci. Voilà, merci beaucoup. Je salue tout le monde et je salue toute l'assistance ici présente. Je salue Monsieur le Préfet ici présent aussi. Je salue Monsieur le Directeur. Je salue Monsieur le Donateur qui est là. Je suis le représentant des écoles primaires ici présents. Et je parle au nom des écoles qui ont reçu ce lot, c'est lot aussi important. Et nous n'avons pas les mots pour nous exprimer, mais nous vous dirons vraiment merci beaucoup et merci. Nous avons vraiment le, le cœur comblé de joie d'avoir reçu vraiment ce matériel aussi important, qui va nous servir. Et nous allons aussi tenir ce matériel à bon escient. Et je vous dis encore merci et merci, encore merci. Oui. Et à tous. Bonsoir euh, aux acteurs de l'éducation, les enseignants, éducateurs et formateurs. Donc, euh, c'est un plaisir, un grand plaisir de venir assister à cette rencontre qui le directeur du CFP qui nous a invités à venir assister à cette rencontre. Donc, lui, nous remercions d'avoir donné des cadeaux à des écoles qui sont au niveau de la commune. Et nous souhaiterions qu'on ait des gens qui sont comme lui, qui des partenaires qui viennent pour assister à leur commune, à l'ensemble de de la région du département de l'arrondissement de Signe. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et nous disons merci aux donateurs. Merci préfet. Euh, merci madame le maire. Euh, merci euh, à l'IF qui, qui avait tenu à venir, mais ils sont en, en atelier. Et depuis lors, on était en train de discuter. Euh, je lui disais que c'est d'abord le préfet et c'est d'abord pour lui et, et nous on ne fait qu'accompagner et merci à, à tous les enseignants qui sont venus accompagner de leurs leur jeunes pour prendre ce modeste équipement dont on pense qu'il doit pouvoir les servir une fois la première fois quand j'ai ouvert le carton l'inspecteur était là il me dit ah, ça, c'est bon pour les, les candidats, même enseignants, qui souvent qu'on doit, qu doit voir au CAP. Quand, déjà, j'ai mesuré, je n'avais pas, pas mesuré exactement la valeur de ce qui est là, mais je vais dire ce que madame le maire a dit ici et le directeur de, de, de maternelle. Préfet, depuis 2022, moi, j'ai pris comme initiative d'accompagner les écoles maternelles. Pour moi, pour construire ce pays, il faut commencer par la petite enfance. J'y crois. Et c'est depuis lors que j'ai commencé à accompagner les écoles maternelles qui sont dans Singan qui sont au nombre de trois. Singan 1, Singan 2 et l'école maternelle qui est au lycée. Et la, de, de, deux années après, je suis sorti de, de Singan. J'ai dit, je vais aller dans l'arrondissement j'ai accompagné l'école élémentaire maternelle de Kanyaru de Katinong et de Suel et j'ai même accompagné l'école Bamba Bayo de Jiguencho et une école privée maternelle qui est à Jiguencho pour dire l'initiative que nous sommes en train de faire nous ne voulons pas la limiter ici on veut aller partout pour les jeunes du Sénégal et je m'en réjouis quand j'ai visité les écoles maternelles qui ont reçu les premiers dons, qui sont en train d'utiliser, j'ai toujours dit aux enseignants ce matériel n'est pas, pas, pas mis ici pour être regardé. Il doit être utilisé par les jeunes, détruit par les jeunes pour qu'on en, en, qu puisse, qu puisse en avoir encore. Mais tant qu'il n'est pas détruit par les jeunes, c'est parce qu'ils ne l'ont pas utilisé. C'est là que je vais lancer un appel aux enseignants les responsables de CTP et des écoles élémentaires, surtout les responsables de CTP qui ont des supports pédagogiques. Utilisez ce matériel. Ne le gardez pas parce que moi, je vais revenir dans vos écoles pour voir comment ce matériel a, a été utilisé. Est-ce qu'il il est bénéfique aux apprenants C'est ça l'objectif. L'autre jour, nous étions dans un atelier par rapport à un programme. On parlait de, des enseignements de mathématiques à l'école. Et moi, je crois que si on aborde ces enseignements au niveau de la de presse scolaire, on va régler le problème. C'est pourquoi je vous invite encore. Ce matériel, on ne doit pas le retrouver dans nos maisons, on ne doit pas le retrouver chez les apprenants, on le retrouve à l'école. C'est pourquoi l'école maternelle, c'est une école maternelle qui a donné tout ça. Je précise, j'ai une amie qui s'appelle Elma, elle m'a, qui est venue ici avec son mari, est, je raconte une petite histoire, son mari qui est professeur technique dans les écoles de formation, qui m'a mis les étudiants, qu'on est venu voir. Quand sa femme l'a accompagné, je dis à sa femme, votre mari est utile, parce qu'il va dans mon centre. Qu'est-ce que vous, vous allez faire pour la communauté Elle m'a dit, je vais voir. Je l'ai amené à l'école maternelle de Singan, je l'ai amené à l'école élémentaire de Singan 2. Quand elle est revenue, elle m'a dit, Sané, je vais, dès que j'arrive, je vais accompagner. Au moment où je vous parle, il y a déjà du matériel qui est en route. Je ne connais pas la valeur. Qui est déjà en route. Une, une élève qui était là, euh, parmi les, les Hollandaises, est partie. Quand elle a reporté ça à sa maman, sa maman a collecté et on a mis ça dans les bateaux. C'est déjà en route. Pour vous dire, quand vous utilisez bien, c'est vous qui allez donner aux autres écoles. Quelqu'un appellera à préfet pour lui dire, un autre préfet dira à préfet, mais préfet, vous donnez dans votre commune, dans votre arrondissement. Pourquoi pas mon arrondissement Et vous, à partir, à partir de vous, on va accompagner les autres arrondissements. Parce que accompagner les autres arrondissements, c'est faire un maillage par rapport au Sénégal. C'est pourquoi on a pensé, vous avez vu le sport, on y a ajouté les ASC. Ce que j'invite exactement les ASC, quand on a pensé à vous, aux ASC finalistes, à la zone, c'est plus de paix dans le football. Quand il y a la paix dans le football, euh, monsieur École de Foot, quand il y a paix et paix dans le football, pourquoi pas demain trouver exactement un partenariat avec Ayuntovoc, je connais très bien, une grande équipe de la Hollande, qui peut accompagner les jeunes. Aujourd'hui, une école a accompagné les écoles élémentaires. On a quitté les écoles alimentaires, maternelles. On va vers les écoles élémentaires. Nous avons pensé à associer, associer les ASC. Pourquoi pas un jour un club accompagné J'ai eu, avec votre permission, à doter les neuf ASC, si je ne me trompe, en, 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 en maillot de sport. Ça, c'est aussi des, des maillots d'un de, 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 club en Hollande qui a accepté faire sa part de contribution au niveau de l'arrondissement de, 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 de Singyan, pour ne pas dire au niveau de la commune. Donc, moi je vais peut-être m'arrêter là. Je vais vous inviter encore davantage, qu'on fasse beaucoup plus de paix. Et préfet, quand il vous dira à M. Sané, mais pourquoi ne vous dites pas aux, 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 à vos amis d'accompagner telle localité, on, on le visite quand il vient, on va, on va souvent visiter le préfet avant de commencer. Ils sont fiers d'entendre de, que vous serez là. Et c'est vous-même qui allez donner exactement l'équipement. moi c'est ce que j'avais à dire. Madame le maire de la commune de Signan Monsieur le directeur du centre de formation professionnelle, Mesdames, Messieurs les enseignants des écoles récipiendaires, Monsieur le chef de quartier, et notre ami et frère Michel, qui est venu de la France pour accompagner les agriculteurs ou les producteurs de la commune de Signan. Mesdames, Messieurs, chers invités, à la suite des différents intervenants, je prends la parole en tant que représentant de l'État pour magnifier le geste qui a été fait aujourd'hui par les amis du directeur de du centre de formation professionnelle de Sénéa, leur dire toute la joie que nous ayons aussi aujourd'hui pour recevoir ce matériel didactique et ce matériel de sport qui permettrait à nos enfants de s'épanouir convenablement, mais aussi permettre à nos enfants de pouvoir réussir leurs enseignements, apprentissages. Le directeur l'a dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas que ce matériel puisse dormir dans certains endroits. Il faudrait que ce matériel soit utilisé. Qu'il soit utilisé à bon escient pour que nos enfants aussi puissent en bénéficier dignement. Et je dis à l'endroit des donateurs un grand merci pour avoir accepté de faire une solidarité progressive parce qu'ils sont partis sur un point A et ils vont vers un point Z. Et je souhaiterais au moins que prochainement, le maillage de la commune soit effectif ou bien que le maillage de l'arrondissement soit effectif avant que vous ne sortiez de cet arrondissement pour pouvoir donner à d'autres écoles ou à d'autres établissements des cadeaux. En tout cas, nous les remercions vivement au nom des plus hautes autorités de l'État. Nous les remercions aussi pour cette solidarité agissante qu'ils sont en train de faire depuis des années au profit des enfants de notre communauté. Alors, à l'endroit du cadeau que j'ai reçu pour que qu'on puisse le mettre à la disposition d'une école qui sera choisie par l'autorité administrative, moi-même j'ai pensé à ce qu'on puisse laisser ce cadeau à l'école élémentaire de Bouyem et pour des raisons que moi-même je sais et qu'on ne voudrait pas diffuser ici. Mais ce cadeau sera bien à destination de Bohème et on fera même le suivi nécessaire pour vous dire aussi comment ce cadeau pourrait peut-être changer la vie ou même des écoliers de certains villages. En tout cas, vous allez rendre compte à vos, vos partenaires en leur disant que la population est très contente, les représentants des autorités sont très contents aussi du geste qui a été fait aujourd'hui. Et nous leur disons un grand merci. Mais nous disons aussi un grand merci à toutes les bonnes volontés aussi qui viennent accompagner l'éducation dans la circonscription. Cette année, on a eu de très bons résultats. Et là, nous remercions vivement et félicitons les enseignants pour les gestes qu'ils ont faits, mais aussi pour tout ce qu'ils ont fait pour que les résultats soient à cette hauteur. Cette année aussi, au niveau de de la circonscription, on a constaté qu'avec l'appui des enseignants, on a eu à organiser les élections dans de très bonnes conditions. Cette année, on va vers des élections éle législatives anticipées. On a remis pratiquement les équipes qui étaient dans les bureaux de vote. Et je voudrais aussi partager avec cette tribune des remerciements à l'endroit des membres des bureaux de vote pour le travail qu'ils avaient très bien fait l'année dernière. Et je souhaite qu'ils puissent le reconduire cette année au niveau des bureaux de vote de la circonscription. En tout cas, ma priorité est l'éducation, parce que je sais très bien qu'il faudrait qu'on puisse s'appuyer sur des ressources humaines de qualité pour que notre pays puisse aller de l'avant. Merci à tous ceux qui ont accepté de laisser leurs occupations particulières. Même le préfet est débordé ces temps-ci par les activités de préparation des élections, mais j'ai tenu à venir, parce que c'est un geste noble. Les gens sont venus et ont donné de leur sien, il faudrait que les autorités soient présentes pour que vraiment on puisse les remercier à la hauteur de ce qu'ils ont posé. En tout cas, merci.